balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé, on a mon canja isali, parce que nous sommes moins yali, en Cuba paniwa, parce que bien canja isali, ça comme ça ça y est, un photo yambi c'est ça, parce que nous n'avons pas besoin de mon combo de plaga, ne, kalan kando ne kalan na basi, eh, oye tu que, na soutu, exacto dia na peti, quoi maman mande. Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Pas pour les radis, Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un nouveau numéro, nous allons parler politique aujourd'hui, de politique constitutionnelle, on en parlera. Vous avez certainement suivi les propos du professeur Beauchamp. Eh bien, les réactions commencent à venir maintenant. Il y a maître Oscar Mobiaï qui est avocat de Paris, et bien aussi à RDC. Il va parler de cette question, mais aussi l'arrêt Mavungu, cet arrêt qui finalement donne tort à Mpuela. Est-ce que ça s'arrête là? Ça continue? Comment ça va se passer? Eh bien, le primo ministériel, sommes-nous dans un régime parlementaire pur ou sommes-nous dans un régime mixte, un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel? On en parle tout à l'heure avec Maître Oscar. Maître Oscar, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dans l'espoir que vous allez bien. Je pense que je vais bien. Alors, à Colosie, parce qu'il faudrait en parler directement, à Colosie, dans une université de Colosie, je profite d'ailleurs pour demander à ses frères de Colosie qui sont véritablement fâchés. Christian Bossembe, tu as traité notre université de petite université. Bon, excusez-moi si vous avez été choqué, mais en tout cas, ce n'était pas dans mon intention de nuire ou de déranger à votre image. On ne faisait que rétablir la vérité. Le professeur Beauchamp a dit, par exemple, que dans le cas actuel du Congo, le premier ministre a plus de pouvoir. Le professeur Sam Bokolombe dit il ne faut pas que les gens s'attaquent au professeur Beauchamp s'ils n'ont pas le même gabarit que lui. Il n'a rien dit de mal dans ça. Il y a d'autres professeurs de droit qui ont estimé que le professeur Beauchamp avait raison. Il a dit exactement ce que les gens ne disent pas. Dans notre système politique, le premier ministre a beaucoup plus de pouvoir, a d'énormes pouvoirs que le président de la République. Que dites-vous? Bon, ce que j'en dis, c'est que ces déclarations sont toutes erronées de M. Beauchamp, que l'on appelle grand prof. Ça, on verra grand prof pourquoi. Un savant constitutionnel. Bon, j'y arriverai. Je ne pense pas, je ne partage pas cet avis. Mais on ne va pas parler de la personne, parce que la grandeur d'un professeur, c'est à travers ce qu'il enseigne. Ses publications. J'ai l'avantage de souvent dire que je pratique ce que je connais et je connais ce que je pratique. Mais vous n'êtes pas professeur. Pour un professeur, l'on pourrait dire un professeur doit enseigner ce qu'il connaît et connaître ce qu'il enseigne. Et quand on a vu Beauchamp se prononcer, je me suis dit, est-ce la misère de la pensée ou la pensée des misères? Et je me suis dit, beaucoup plus, je penche beaucoup plus à une pensée des misères. Ça m'a poussé à un peu voir la production intellectuelle de Beauchamp. Il a eu à publier, à ma connaissance, jusque-là, sa thèse, un extrait de sa thèse, et puis trois ouvrages. Il a eu sa thèse de mémoire en 96. Ah, vous allez faire le parcours historique de son historique? Non, je ne veux pas. À cause d'une phrase? C'est une phrase grave. Alors, cette gravité, cette phrase,
Logiquement, Boshabou devrait ne plus être professeur. On devrait lui retirer les diplômes parce qu'il ne peut pas enseigner. Ça, c'est le produit toxique. C'est pas possible, Maître Oscar. À cause d'une phrase, vous allez remettre en cause les études de plus de 15 ans, de plus de 20 ans d'études d'un homme. Bon, d'abord, Boshabou, est-ce qu'est-il constitutionnaliste? Que je sache, c'est un spécialiste de la fonction publique. Comment? Et il aurait dû enseigner les droits des fonctions publiques. Ça existe, les droits des fonctions publiques. Parce qu'on veut être... Sa thèse, c'est sur quoi? L'étude comparée de la fonction publique belge et la fonction publique congolaise. Quel est l'état de nos fonctionnaires aujourd'hui? Lui qui avait comparé 196. Il aurait dû être un bon ministre des fonctions publiques pour redresser la fonction publique et s'intéresser si nos fonctionnaires sont-ils payés. Bon, on va y arriver en développant notre pensée pour remettre, pour le recadrer, parce que ce qu'il a dit est totalement faux. Vous dites totalement faux? Absolument faux. Primo ministériel, c'est un mot inventé par Bouchard ou c'est un mot de conférencier? Il y a Dimon Rousseau qui en a parlé. Beaucoup de professeurs français parlent de primo ministériel. Non, mais non, le thème, ce n'est pas de moi. Est-ce que notre régime, lui, il a affirmé que nous sommes dans un régime primo ministériel? Oui. Ça, c'est faux. Bon, directement, notre régime, c'est un régime semi-présidentiel. Alors, maintenant, il faut qu'on tout de suite qu'on l'on comprenne. Quand on regarde la typologie des régimes politiques, vous avez les régimes parlementaires, que Bouchard appelle primo ministériel. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Où le premier ministre a plus de pouvoir que le président. Que le président. Bon, le régime parlementaire, président ou roi. Parce qu'il y a des pays, comme l'Angleterre, c'est le roi, et d'autres. Comme l'Allemagne, c'est le président. Alors, il faut tout de suite souligner que toute l'Europe occidentale, sauf la France, pratique le régime parlementaire. Ah, d'accord. Les régimes, tout ça, c'est tout le reste. Régime parlementaire. Parlementaire. Sauf la France, qui applique le régime semi-présidentiel. Alors, pour la petite histoire, il faut tout de suite préciser. À la base, c'est le régime parlementaire, donc, qui prend son origine en Angleterre. Les Américains qui s'affranchissent de leur oncle mettent en place autre chose. Comme nous, les Congolais, on aurait dit, dire que nous, nous mettons en place autre chose que nos colons, les Belges. On a fait ça, non? Non, on n'a pas fait ça. On a imité. C'est encore l'affirmation gravissime des professeurs Mampouya, qui est passé sur une radio. On reviendra sur la question de et qui a fait des affirmations. Mais lui aussi, il va dans la même logique que professeur Bouchab. Ils disent la même chose. Il dit, Bouchab n'a pas parlé, n'a pas raconté des hérésies. C'est ceux qui pensent que Bouchab a raconté des hérésies, qui ne comprennent pas, qui sont bornés. Je crois qu'il s'attaquait au professeur Mbataou, à quelques autres professeurs. Je pense que au Congo, nous avons un souci comme au Moyen-Âge, où il y avait l'argument d'autorité. Donc, je dis ça parce que je suis professeur, c'est vrai. Non, ça n'existe plus. On n'a pas besoin d'être professeur. Je n'ai rien contre les professeurs. Mais une pensée, elle est universelle, elle est scientifique. Ce qui est scientifique doit se prouver et se démontrer. La difficulté des affirmations de certains de nos profs, comme de Bouchab, c'est d'affirmer sans démontrer. Sommes-nous un régime primo-ministériel? Bon, il l'affirme. Là, il n'est pas la difficulté, mais qu'il les démontre. Alors, vous étiez en train de parler, pour ne pas vous couper, vous étiez en train de parler de l'historique de ce régime parlementaire. Et parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on est là pour dire tout le temps, spécialiste en droit constitutionnel, mais le droit constitutionnel, ce n'est pas la constitution seulement. Il faut connaître l'histoire des institutions. Parce que les régimes procèdent d'une tradition, d'une histoire. Et quand on n'a pas fait l'histoire des institutions politiques, on ne comprend pas d'où vient le régime. D'accord. Donc, voilà. Donc, les Anglais mettent en place un régime parlementaire. Alors, il faut partir du principe du régime parlementaire. Qu'est-ce qui a été visé? Comme on sort de la monarchie, donc il faut limiter l'absolutisme du roi, donc limiter le pouvoir absolu qu'avait le roi, et donc on lève l'option de dire le roi doit régner, mais il ne doit pas gouverner. Donc, c'est pour cela, quand vous êtes dans d'autres pays européens en dehors de la France, en Allemagne, en Angleterre, on connaît plus. Bon, l'Angleterre, parce que c'est une vieille tradition. Mais quand vous prenez le reste des pays, Portugal, Italie, l'on connaît plus leur premier ministre que leur président. Donc, on a dit, le président doit régner, mais ne doit pas gouverner. Donc, c'est quoi la différence entre régner et gouverner?
Bon, régner, c'est que l'on arrive à être cantonné à des pouvoirs protocolaires de représentation. C'est comme la reine d'Angleterre. Elle incarne la cohésion nationale, elle incarne leur tradition. Elle joue au plan diplomatique les symboles de l'Angleterre. Mais gouverner, c'est mener, assurer, la politique gouvernementale. Elle ne nomme pas, elle ne révoque pas non plus. Non, pas du tout. D'accord. Et justement, c'est ça. Oui. Alors, quel est le critère d'un régime parlementaire? C'est que l'exécutif, ici l'exécutif entendu comme le Premier ministre, n'est-ce pas, est responsable devant le Parlement. Le Parlement. Et le vrai critère, c'est que les deux se renversent. Le Parlement renverse l'exécutif et l'exécutif renverse le Parlement. On établit un équilibre des pouvoirs. Et d'ailleurs, ces pouvoirs sont appelés l'arme nucléaire qu'on n'utilise jamais. C'est dissuasif pour permettre, évidemment, la stabilité au sein du Parlement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en 60 avec Lumumba et Kasavubu? On va y arriver. En 60, Lumumba et Kasavubu se sont révoqués réciproquement. Et quand nous allons arriver à nos institutions, il faut d'abord partir de ce qui a affirmé de manière, on va dire, classique, pour voir maintenant si ce qui est affirmé peut avoir réception au Congo. Donc, le régime parlementaire, vous avez compris que c'est un régime où l'exécutif peut renverser le législatif, et donc le gouvernement a une responsabilité devant le Parlement, et le Premier ministre, n'est-ce pas, conduit la politique, n'est-ce pas, de la nation. Et seul, il rend compte et il gouverne. Il ne règne pas, il gouverne. Et le roi règne. Voilà cette répartition des tâches. Alors, les Américains, eux, donc c'est un régime de collaboration de pouvoir. Entre l'exécutif et le législatif, il y a collaboration de pouvoir. Et les Américains, eux, décident de faire autre chose. Un régime présidentiel. Ils mettent en place un régime présidentiel où il y a une séparation nette des pouvoirs. Bon, dans la pratique, l'on verra aussi que, ça c'est sur les textes, parce que dans la pratique, il n'y a pas le pouvoir qui se renverse. Là, il y a une séparation nette. Mais maintenant, l'exécutif peut, pour conduire sa politique, arriver à obtenir, n'est-ce pas, à influencer le Parlement avec la diplomatie des couloirs, ainsi de suite. Donc, bref, pour que nous ne puissions pas être trop académiques et être pratiques pour vos auditeurs qui sont nombreux, nous disons tout simplement que dans un régime parlementaire, parce qu'il faut parler de l'équilibre des pouvoirs, qui gouverne, qui ne gouverne pas, dans un régime parlementaire, c'est le Premier ministre qui gouverne. Alors, prenons le cas du... Maintenant, dans un régime présidentiel, c'est le président qui gouverne. Est-ce que le président dans un régime présidentiel est responsable devant le Parlement? Non. Là, c'est une séparation nette. Il n'y a pas de gens qui se renversent, chacun exerce son pouvoir sans qu'il y ait cette possibilité de se renverser. Et pourquoi il y a eu la procédure d'impeachment, si vous appelez ça comme un empêchement, vous voulez impeachment. Bon, ouais. Ça, ce n'est pas beaucoup plus une procédure politique, elle est une procédure judiciaire. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le Parlement. Ça n'a rien à voir avec le Parlement, parce que là, c'est le président, quand il venait dans l'exercice de son mandat, à commettre des infractions, on peut les destituer. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne dans le cas congolais. Avant qu'on arrive, si vous me permettez, avant qu'on arrive au cas congolais, il faudra maintenant prendre maintenant un régime qui est le nôtre, mixte, qui est né avec la France, où les Français, dans l'influence du monde, ils ne pouvaient pas copier la grande puissance l'Angleterre, ils ne pouvaient pas copier la grande puissance l'Amérique, et de la même manière, finalement, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils font le régime mixte. Ils vont maintenant choisir de prendre les mécanismes du régime parlementaire et le mécanisme du régime présidentiel. C'est pour ça qu'on l'a appelé semi-présidentiel. Voilà. C'est ce régime-là que nous avons copié. J'ai dit bien copié. D'accord. Alors, donc, le Congo appliquait le régime politique. Il applique le régime semi-présidentiel. Maintenant, il est admis que le régime présidentiel, semi-présidentiel, peut osciller entre le présidentialisme
Et en France, c'est depuis 1986, quand ça a commencé la cohabitation. Donc, pendant la cohabitation, quand le président n'a pas la majorité au sein du Parlement, ça veut dire que vous avez au Parlement une majorité parlementaire qui n'est pas de la même famille que le président de la République, ce qui conduit à la cohabitation. Et ça, c'est la tradition depuis 1986. Et là, la France a connu la cohabitation. Mais généralement, c'était toujours un régime semi-présidentiel. Et donc, en cohabitation, on a tendance à considérer que le régime peut glisser vers un semi-parlementaire. Donc, il est aussi en fonction de la majorité parlementaire. Si elle est homogène, ça veut dire, comme pour revenir au Congo, sous Kabila, nous avons la même famille. Kabila est président, donc la même famille à la présidence et la même famille à la majorité parlementaire. Le professeur Tchoumbaï appelle ça le couplage. C'est ça? Bon, je ne l'ai pas bien suivi, je ne sais pas ce qu'il veut dire trop par le couplage. On va évoluer. Mais est-ce que dans notre cas actuel, l'histoire de notre politique, depuis... Parce que le professeur Bouchab contextualise, il dit, oui, c'est pour éviter les affres du 30, des 32 ans de Mobutu, que les législateurs avaient pensé donner beaucoup plus de pouvoir au Premier ministre pour finalement diminuer, sinon réduire le pouvoir du président de la République. A-t-il tort sur la question? Totalement tort. Comment ça, totalement tort? Pour maintenant répondre à la question de savoir qui a plus de pouvoir, qui a moins de pouvoir, il faut interroger l'article 78 de la Constitution. Je vais lire l'article 78 voilà, de la Constitution. Qui est la copie conforme de l'article 8 de la Constitution française. Permettez-moi, vous dites l'article 78, 78 si vous voulez. D'accord, 78. Alors, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. On peut déjà s'arrêter là. Ouais. Qui nomme? Le président de la République. Bon, maintenant, vous continuez. Deuxième alinéa. Il met fin à ses fonctions. Qui met fin? Le président de la République. Oui, mais ça, c'est pas une lecture... Ça, c'est sélectif, ça? Maintenant, on peut développer. Oui. Non, donc, mais, au moins, on retient de cette lecture que le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Mais c'est assorti de beaucoup de choses. Ça, on va, les conditions, on va voir. Oui. Parce que Bouchab a dit qu'on cite un seul article. Oui, il a dit un seul article. Entre celui qui nomme et le nommé, qui a beaucoup plus de pouvoir. Entre, on va dire autrement. Alors, entre Christian Bossembe, qui engage un agent à sa télévision, c'est pour un peu réduire la pensée, n'est-ce pas? Et comme ça, on comprend vite. Et l'agent qui l'a engagé, vous pensez que l'agent pourra avoir plus de pouvoir que... Alors, mais si nos statuts de la chaîne disent que c'est celui que j'ai engagé qui peut engager les autres, qui peut les révoquer, et que moi je ne peux pas les révoquer, je ne peux pas les engager non plus. Alors, pour revenir maintenant au statut, ici, en l'espèce, le statut, c'est quoi? C'est la Constitution. Alors, la Constitution congolaise s'inspire de la Constitution française. Oui. Et à l'origine de la 5e République, la question s'est posée. Et d'ailleurs, c'était la divergence entre Michel Debré, le premier ministre français de la 5e République, et Général de Gaulle. La question était de savoir, est-ce que le régime doit être parlementaire ou on doit avoir une conception présidentielle? De Gaulle était quelqu'un qui voulait gouverner, qui sortait un héros de la guerre. Donc, il avait le pouvoir fort. C'est pour cela, le président de la République est élu au suffrage universel. Seul le président de la République. Même les députés, ils sont élus même s'ils ont un mandat national, mais ils sont élus par tous les Congolais, dans leur circonscription. Alors, et là, on verra l'erreur de Bouchab, encore une fois, avec la révision de 2011. Oui. Il a réduit la légitimité du chef de l'État parce qu'il voulait faire tricher pour que, bon, on puisse mettre à un seul tour. Mm. Ça, on va y revenir. Mais il n'avait pas pensé... C'est pas Bouchab, ça, c'est Lutundula et les autres. Ce sont eux qui ont pensé comme ça. Bon, cette révision était malheureuse. Ben, ce sont des penseurs. Est-ce que les penseurs des FCC, c'est des Bouchab, non? Ce sont les laboratoires des FCC, les meilleurs constitutionnalistes. Là, donc, vous êtes dans le procès d'intention, mais c'est Lutundula qui était porteur de cette loi-là. Ben, il peut apporter la loi. Si cette loi est apportée, qui n'est pas validée par la majorité FCC, alors que c'est cette majorité
qui était au Parlement, si la loi ne rencontre pas les ressentiments, ça ne passe pas. Et donc, quand on entre dans le laboratoire de FCC, qui on y trouve le premier d'entre eux, c'est Bouchab. C'est pour ça que je parle de lui. D'accord. Donc, alors, on pourra parler de la révision constitutionnelle si on évolue trop rapidement pour ne pas qu'on se perde. Donc, j'étais en train de démontrer qu'avec l'article 78, n'est-ce pas, le président nomme et met fin aux fonctions du premier ministre. À partir de là, il a le pouvoir de nomination. Il reste vrai que ce pouvoir de nomination est encadré par ce qu'on appelle le fait majoritaire. Donc, il est obligé de pouvoir nommer le Premier ministre qui a la majorité au sein du Parlement. Sinon, son programme ne pourra pas, il ne pourra pas être investi. Ça, c'est le correctif. À côté de ça, le président met fin aux fonctions du Premier ministre. Et vous étiez en train de dire sous conditions. Oui, il y a beaucoup de conditions. Effectivement, on dit sur présentation de sa démission. C'est l'unique condition, il n'y en a pas plusieurs. La pratique, parce que nous, c'est la première expérience où on a la cohabitation et non pas la coalition. Nous, on est en cohabitation ou la coalition? Bah, c'est la cohabitation, c'est pas coalition. C'est, ça, c'est une invention, c'est des histoires. C'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'on y met fin. C'est rêvé, ça, c'est l'erreur de Mampouya qui dit avoir écrit l'article 78 en copiant la Belgique, alors que nous ne sommes pas aux mêmes réalités que la Belgique. Donc, la coalition, c'est quand la majorité ne se dessine pas. Et là, vous avez donc plusieurs partis politiques, n'est-ce pas, où on arrive. Mais chez nous, vous avez deux grandes familles, où vous avez l'opposition, où vous avez le pouvoir. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez le FCC, en réalité. Qui sont des fictions constitutionnelles. Ils n'ont pas d'existence juridique. On ne les connaît pas. Donc, quand on... Et aujourd'hui, se dessine le ciel constitutionnel congolais. Et nous tendons vers le bipartisme. Avec cette... ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui, avec ce que l'on appelle union sacrée de la nation. Donc, en clair, on pourra voir qui est pour l'accompagnement du président de la République, qui reste dans l'opposition. Et vous verrez que le FCC va rester dans l'opposition et il va absorber l'aile Fayoulou. Ils vont rester sur un même langage. Donc, quand on est dans les bipartismes, c'est qu'il y a la cohabitation. Le président de la République n'a pas la majorité au sein du Parlement et cette majorité est détenue par ses adversaires. La pratique de ce qu'ils appellent coalition a démontré que ce n'était pas en réalité une coalition. Parce que quand vous êtes coalisé, vous parlez le même langage et vous avez la même politique. Vous avez la même vision. Aujourd'hui, quels sont les pouvoirs énormes que dispose le Premier ministre? Non, le Premier ministre, il faut qu'on écarte ça. Le Premier ministre, c'est un conducteur, n'est-ce pas, de gouvernement dans les tâches administratives et non pas dans les tâches politiques. Pourquoi? Je démontre, pour comprendre cela, parce que Bouchard nous demande de lui dire les pouvoirs exorbitants du président de la République. Je vous ai cité l'article 78. Je vous cite l'article 79. L'article 79 permet de distinguer le pouvoir propre du chef de l'État des pouvoirs soumis au contre-saint. Est-ce que le Premier ministre a-t-il des pouvoirs propres dans notre Constitution? Il parle du contre-saint. Mais est-ce qu'il a des pouvoirs propres? Il dit que c'est le contre-saint. Mais le contre-saint, ça signifie quoi le contre-saint? Ça veut dire que ce pouvoir-là permet que le Premier ministre soit responsable politiquement devant l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Mais dans notre régime, il n'y a pas seulement que cette responsabilité, parce que vous êtes dans, vous pouvez avoir un régime semi-présidentiel comme le nôtre, qui est, on va dire, moniste, et un régime semi-présidentiel dualiste. Ça veut dire qu'il y a double responsabilité du Premier ministre. Il est responsable devant le Parlement qui peut le renverser, et il est responsable devant le président de la République, qui peut le démettre. Et Michel Rocard parlait de le virer. Donc, en pratique, quand le Premier ministre ne partage pas le point de vue du président de la République, l'élégance politique veut qu'il puisse démissionner. Mais il a la majorité, il vient d'une majorité parlementaire. Donc, même s'il démissionne, cette même majorité enverra quelqu'un de la même philosophie. La conséquence de ça, encore troisième pouvoir du président de la République. Si la majorité veut maintenir son Premier ministre,
contre la volonté du président de la République, c'est un suicide collectif. Vous connaissez la bombe atomique. Ça veut dire dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution. Est-ce que les députés sont-ils prêts pour soutenir le Premier ministre de mourir ensemble? Vous voyez que c'est un combat inutile. Quand vous engagez le combat avec le président de la République en tant que Premier ministre, il vous vire. Maintenant, l'élégance, c'est que quand vous ne partagez plus la politique du président de la République, vous êtes tenu de démissionner. Alors, c'est l'élégance. Alors. Maintenant, si on manque l'élégance, comme le Premier ministre Ilokamba, oui, par exemple, il devient têtu. Et là, il n'est plus homme d'État. Il devient un commis des FCC, comme on l'appelait à l'époque, commissaire d'État. À partir de là, il entraîne une crise. À partir de sa petite personne, il entraîne une crise institutionnelle. Et la crise institutionnelle a beaucoup de conséquences économiques. Et donc, quand on est homme d'État, on ne peut pas entraîner une crise, un pays dans une crise. Et donc, on est obligé de démissionner. Nous avons connu un Premier ministre, un professeur, à qui on doit le respect, qui était, lui, homme d'État. Bon, c'est Lunda Bululu. Il a démissionné. Donc, quand on n'est plus d'accord avec le président de la République, on est tenu de démissionner. Mais si vous ne démissionnez pas... Oui, qu'est-ce qui arrive? C'est la vraie question. Si vous ne démissionnez pas, déjà, on ne conçoit pas qu'on puisse avoir un Premier ministre voyou. Parce qu'un Premier ministre, il dit, bon, on dit que quand vous arrivez le matin, vous devez vous conformer aux règles de la société, de la chaîne. Et vous arrivez le matin, vous ne voulez pas vous conformer et vous dites, ben, qu'est-ce que Bossembe va me faire? Vous comprenez qu'on n'a pas conçu qu'on ait des voyous. Oui. Donc, quand on a mis ces dispositions-là, on ne s'est pas imaginé que est-ce que le Premier ministre peut refuser? C'est comme, par exemple, à la fin de son mandat, le président de la République, Tshisekedi, lui, il est trop démocrate, c'est pour cela d'ailleurs il y a tous ces débats, et on ne conçoit pas qu'il puisse dire, ben, écoutez, une autre personne a gagné les élections et je ne pars pas à la passation du pouvoir, comme Trump est en train de le faire maintenant. Ça, c'est être voyou. On ne conçoit pas un président voyou. Et, ou se maintenir au pouvoir comme l'ex-président l'avait fait. Alors qu'il a fait un mandat, il se met. Ça, c'est une méthode. Je vais dire tout simplement des voyous qui se conduisent comme ça. Donc voilà. Mais s'il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, oui. Vous avez bien compris, le président n'aura pas autre choix que. Alors, il y a deux issues possibles pour le cas du Congo. Soit la majorité bascule par le jeu politique au sein de l'Assemblée. Ce qui est difficile aujourd'hui, parce que déjà avec le Conseil d'État, vous avez vous-même compris que Mme Abouda reste. Son bureau n'est pas dérangé jusque-là. Comment vous aurez la majorité? Comment ils auront la majorité? Mais c'est le vrai test. Oui. Parce que le juge, c'est un seul juge. Bon, là, c'est autre chose. On va en discuter. On va discuter rapidement. Parce que le premier test a échoué. Donc, il ne faut pas passer à autre chose. Donc, non, ça, c'est même pas que c'est un échec. C'est une victoire de la démocratie. Et là, on peut maintenant comprendre que ceux qui en doutaient encore hier peuvent maintenant comprendre que nous sommes entrés réellement en Madame démocratie. Madame Abunda l'a si bien dit, victoire, félicitations à la justice indépendante et félicitations à l'état des droits. Ben, il faut qu'il félicite le Félix Tshisekedi. Oui. Parce que ça, il omet volontairement de le dire. Je ne l'ai pas suivi, mais heureusement. Ben, c'est ça, c'est tout, dans tous les réseaux. Ben, il faut qu'il félicite Félix Tshisekedi. Mais pourquoi, avez-vous imaginé un seul instant que sous Kabila, qu'un juge lève son petit doigt pour aller contre la volonté de la partie du chef de l'État? Je ne dis pas que l'autre est du même parti, mais on a cru, on a sifflé dans la salle pour dire que c'est la victoire. Mais cette justice qui revient, que l'on acclame aujourd'hui, il faut qu'on l'acclame demain, quand il pourra prendre une décision contre l'FCC. Mais moi, la question plutôt que je me pose, oui, c'est qu'à partir de quel moment ce n'est plus une république des juges? Parce qu'à l'époque, c'était une république des juges. Madame Abunda avait dit que cette justice était une justice de la honte, c'était une justice une république des juges. Aujourd'hui, ce n'est plus la république des juges, c'est la république, maintenant c'est l'état des droits. Est-ce que la justice, elle est bonne quand elle vous fait plaisir, ou la justice, elle est bonne par principe de bon, par principe? Deux choses. Vous savez, la vertu, on y persévère. Et la vertu, ça ne change pas. Et quand on n'est pas dans la vertu, on change beaucoup. On devient versatile, on devient girouette. Et donc, c'est la même chose, ce que Mme Abunda dit, c'est la même chose que le fameux prof Boshab. Donc, quand on avait la constitution n'a pas changé depuis.
En tout cas, depuis un an, ça n'a pas changé. Ben, ça fait 13 ans qu'on a... Mais c'est la lecture qui change maintenant. La lecture de la même constitution, on la lit le matin quand on est au pouvoir, différemment que quand on n'est plus au pouvoir. Donc, vous voyez qu'avec Prof. Boshab, la même constitution était régime semi-présidentiel sous Kabila. D'ailleurs, c'était une dictature constitutionnelle. Et sous Félix Tshisekedi, la même constitution devient primo-ministérielle. Comment possible? Sans qu'on ait changé. Très bien. Donc, vous comprendrez que, à votre question de dire, est-ce qu'on peut changer la justice des juges hier, la justice indépendante le soir? Donc, vous comprenez, ça, ce n'est pas le problème de justice, ce sont les problèmes des hommes et des femmes. Et malheureusement, l'homme politique congolais n'a pas d'éthique, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Abdoulaye Wade, le premier ministre sénégalais, qui avait fait ce constat amer. Alors, ce manque d'éthique. Il nous reste 9 minutes. Oui. Mais avant de terminer, je voudrais savoir, en fait, pas seulement moi, oui, les Congolais veulent savoir, oui, si le premier ministre refuse de démissionner, qu'est-ce qui va arriver concrètement? Ben, je vous ai dit, s'il refuse de démissionner, premier test, puisque nous sommes en train d'espérer que tout le monde qui veut aller vers... comment on appelle ça? L'union de la nation. L'union sacrée. L'union sacrée de la nation. Ça veut dire que c'est au sein des institutions. Nous espérons que la majorité va basculer. Et pour tester cela, ben, il faut une motion de censure pour tomber le gouvernement. Et vous avez les députés. Je compte beaucoup plus sur le professeur Tshilombaye. Qui non, il est député provincial. Il est député provincial. Oui. Bon, je ne savais pas. Leur dynamique. Mais il va pousser la dynamique. Parce que quand même... Mais il vient d'échouer, il ne peut pas citer le pas sur il vient d'échouer là. Il, non, au Conseil d'État, ça l'a a débouté. Ça, et donc, Mme Mabouda reste, rien à voir. Elle est en train de triompher. Non, ça n'a rien à voir. Elle est restée. Ça n'a rien à voir. J'espère que... Bon, voilà, le professeur Tshilombaye, il viendra peut-être beaucoup plus. Et vous, je ne pense pas qu'on parlera le langage différent en termes... Parce que la science est universelle. Mais vous savez, on n'a pas répondu à la question. Je réponds. Ouais, je comment c'est difficile cette question? Non, donc, je réponds. Au fond de vous, vous savez que le président ne peut pas démettre le Premier ministre. Non, je vous répète encore une fois, M. Christian, qu'on n'induise pas les gens en erreur. Nous n'inventons pas la roue. Et vous avez quand même... Enfin, je ne vais pas dire que je viens de la France, mais je pratique cela parce que je suis avocat français. Pas du barreau de Paris, mais de Lille. Je voulais profiter pour corriger. Ok. Il est admis que le président de la République démet le premier ministre de ses fonctions et ce premier ministre qui ne partage plus la même vision que le président de la République est tenu de démissionner, c'est l'élégance politique. Maintenant, et quand vous avez Balladur a dit « ma politique étrangère », Mitterrand lui a dit « non, ce n'est pas votre politique étrangère ». Et on a dit « le pouvoir ne se partage pas », il l'a viré. Michel Rocard n'a pas de viré. Donc, le premier ministre qui ne partage plus, et d'ailleurs Charles de Gaulle faisait signer d'abord à ses premiers ministres une lettre de démission en avance pour éviter ça. Mmh. Et comme ça, quand vous ne partagez plus le point de vue, ben vous n'avez plus. Votre démission est déjà là. Alors, mais pour revenir à notre cas, parce que la France n'est pas le Congo, s'il refuse, mais vous comprenez que c'est suicidaire, je vous ai dit, un, les députés qui veulent accompagner les chefs de l'État, donc de l'UDPS, vont initier une motion de censure. Et comme beaucoup de députés ont dit qu'ils accompagnent et qu'ils ne veulent plus de la coalition, ben le gouvernement va tomber. La motion de censure fait tomber le gouvernement. Si cette motion ne passe pas, le président n'aura pas d'autre choix que la dissolution. Et donc, quand nous revenons à ce que vous étiez en train de dire, le pouvoir du chef de l'État, vous avez compris qu'on a cité l'article 78, donc le président nomme et démet. L'article 22 de la loi fondamentale parlait de révoquer le premier ministre. Donc vous m'avez posé la question sur exact, exact. Il pouvait révoquer, mais il y avait des conditions qui étaient assorties. Donc la notion de démettre, de révoquer le premier ministre, il ne faut pas l'entendre au sens que le président prend une ordonnance de lui-même, comme ça, sans que le premier ministre ait démissionné au préalable. Donc il le pousse à la démission. Très bien. S'il ne démissionne pas, mais à ce moment-là, le président de la République, cette hypothèse-là n'est que congolaise, parce qu'on ne conçoit pas, bon, s'il ne démissionne pas, et donc on va tenter, un, la motion de censure, et si la motion de censure n'aboutit pas, eh bien, le président n'aura pas autre choix que dissoudre
Voilà les deux choses. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre mécanisme constitutionnel. Alors, terminons cette émission avec le pauvre Mampouya. Lui aussi a parlé de la cour du Conseil d'État, que vous savez. Quel est votre point de vue sur ce qu'il a dit? Écoutez, le professeur Mampouya pose un problème de la compétence du Conseil d'État par rapport aux actes d'Assemblée. Le principe est que les actes d'Assemblée ne sont pas susceptibles, n'est-ce pas, de recours devant le Conseil d'État. Et quand professeur, comment il s'appelle encore, Bouchab, parle de pouvoir exorbitant du Premier ministre, il ignore que le président de la République aussi a des pouvoirs qui ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Ce sont les actes de souveraineté. Alors que le Premier ministre n'a aucun acte qui ne soit susceptible de recours. Et donc, ce n'est pas connaître la Constitution. Il lit seulement la Constitution, mais il ne lit pas le contentieux constitutionnel. Et donc, vous comprenez que j'ai répondu à la question des pouvoirs du Premier ministre. Et je vous réponds à la question de Mampouya, où sa lecture est partielle. Parce que les actes de l'Assemblée, c'est vrai, ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Mais ce principe a connu beaucoup de tempéraments. Ça veut dire qu'on a admis que les actes d'Assemblée peuvent faire l'objet de recours sous certaines conditions. Est-ce que le temps nous le permet? Donc, dire que les actes d'Assemblée ne sont pas sujets de recours, en restant que sur ce principe, comme si c'était absolu, c'est faux. Dire comme Mampouya nous a induit en erreur, en mettant en place une disposition inutile de ce qu'il ajoute dans l'article 78, si la majorité n'est pas identifiée, on va encore. Ça, c'est la copie des Belges. Or, nous ne sommes pas dans le même système. Et ça ne peut pas tenir chez nous. Donc, c'était inutile de les dire. Donc, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, copier pour copier. Et donc, en définitive, nous avons des professeurs, parce que vous avez parlé de la petite université de Colésie. Oui. On peut aussi parler maintenant de la petite université de Kinshasa, parce que la colline n'inspire plus. Ouais. Et donc, voilà que nous avons des anges. Vous savez, en Bible, il y a des anges des ténèbres et de lumière. Si nous avons des professeurs qui sont comme des anges des ténèbres, comme de ceux que vous citez, et qui viennent avec des produits toxiques pour dire aux jeunes qu'ils puissent aller, parce que le problème n'est pas que Congolais. Un jeune qui arriverait en France, par exemple, et qui va dire, moi, mon prof m'a enseigné que le régime semi-présidentiel, c'est un régime primo-ministériel. On dit, tu viens de quelle brousse? Comprenez-vous? Donc, c'est une honte et c'est intoxiquer les enfants. Mais Bouchab était directeur du cabinet du président de la République. Mais les titres, ça ne veut rien dire. Vous voyez qu'il est ignorant. Comment ça, il est ignorant? Il est professeur. Vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas un problème d'être professeur. Moi, je suis publiciste. Donc, monsieur Christian, j'ai un master à Paris 5. C'est vérifiable. Et quand je suis publiciste, ça veut dire que j'ai étudié tous les régimes politiques du monde. Ça veut dire tous les régimes de l'Europe, y compris les nouveaux entrants en Europe. Tous les régimes du monde, ça veut dire l'Amérique, parce que ce sont des régimes classiques, et les régimes des vaincus de la guerre, Japon et consorts. Ça, c'est le droit public comparé. Après, je pratique le contentieux constitutionnel. Parce que, et puis, j'ai l'histoire. Quand Bouchab vous dit des choses, comme tout à l'heure, vous venez de poser la question sur Kasavubu Lumumba, il faut qu'on sache d'où ça vient, comment c'est venu. Quand il dit aujourd'hui le régime semi-présidentiel, parce qu'il a posé la question de contrer les velléités dictatoriales de Mobutu. Mais pourquoi ne parle pas des velléités dictatoriales de Kabila? Et voyez-vous, nous débouchons sur, par exemple, la question où je vais peut-être en finir. Je vais terminer. Donc, où je vais peut-être en finir. Quand il parle de la Constitution, il soulève une question inutile académique. Comment ça inutile? Ce débat n'est pas plus important que le débat de ce qu'on a appelé dépassement budgétaire. Vous comprenez? C'est une question constitutionnelle qui soulève la question d'égalité de tous dans la justice distributive. Et donc, est-ce que sommes-nous égaux, nous Congolais? Est-ce qu'on dit tout le monde, tous les Congolais sont égaux devant la loi, devant le partage des richesses? Je peux vous demander, ce n'est pas à moi de poser des questions. Donc, je pose une question et je réponds parce que vous posez des questions. Je peux considérer que la FCC, qui aime bien parler de la violation de la Constitution, en commençant par le prof Bouchab, aurait dû constater que le président de la République, ex-président de la République, Kabila, qui prend, dans ce que j'ai appris, $600 000 à lui tout seul. 670 000 pour être exact. Bon, ok. À partir de là,
est-ce qu'il y a une justice redistributive? C'est une violation de la Constitution, car une personne à 600 000, 70 ou quelque chose de dollars, qui peut payer toute la fonction publique d'embaucher un spécialiste. Prenez les 670 000 dollars, c'est combien de salaires pour les fonctionnaires? Ben, 680 personnes, je crois. Bon. 6880 personnes. Et c'est juste. Voilà. Ça, c'est une violation de la Constitution. Et donc, ce que je propose, c'est que nous puissions, d'abord, j'ai initié une pétition pour que l'ex-président Kabila rembourse au trésor public cet argent. Comment ça? Il va rembourser 16 millions parce que c'est ça qu'il coûte à la République depuis 2 ans. Ben, il va rembourser parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc, l'argent qu'il a reçu, c'est un paiement indu. Parce que comment le salaire... paiement indu du moment où c'est légal, ça a été fait normalement. Le chef de l'État, pour qui vous dites qu'il est démocrate, mais il a accepté ça. Le chef de l'État, Joseph Kabila, vous savez qu'il y a, de... qui a accepté ça. Il y a des philosophes qui disent qu'il y a de la honte d'être seul riche parmi les pauvres. S'il n'a pas honte, ça m'étonnerait. Et s'il a la dignité, s'il m'entend, qu'il rembourse l'argent. C'est question d'honneur et de dignité. Merci. Et donc, Bouchabou doit comprendre que cet acte l'a posé, qui est un acte légal, parce que c'est la loi qui l'a dit. Mais dans ce qu'on appelle constitutionnalisme, il peut y avoir une loi, n'est-ce pas, bien que c'est légal, comme Hitler était élu légalement. Mais ce qu'il a fait n'était pas normal. Voyez-vous, donc, donner à M. Kabila 600 combien de millions de dollars, c'est légal, mais ce n'est pas juste. Et donc, à partir de là, ça viole la Constitution dans le sens que ça ne nous rend pas égaux devant la redistribution des richesses. Et donc, on peut dire tout simplement que c'est vrai qu'on peut accepter une discrimination, mais dans les limites du tolérable. Là, on est allé vers tout ce qui ne peut pas être tolérable. Donc, Bouchab a menti. Largement menti. Et que c'est vraiment, si logiquement... le ministre de l'enseignement supérieur m'entend, ou le prof Essambo, que j'admire, et d'ailleurs que, enfin je dis j'admire par rapport à la science, et d'ailleurs j'ai eu l'avantage d'être avec lui quand il faisait sa thèse, et j'étais amené, comme c'est mon grand, de lui amener quelques livres dans ses recherches, notamment la Constitution de 58 avec Michel Debray. C'est pour ça, lui, apparemment, il tend beaucoup plus vers le partisanisme rationalisé. Et donc, si le ministre de l'enseignement supérieur et les doyens de la faculté Bouchab, et plutôt Essambo, bien que ce soit Bouchab qui a pu être directeur de sa thèse, on doit lui retirer le cours des droits constitutionnels. Il n'y a pas autre sanction que ça. Très bien. Et le prof Mampouya, même chose? Oui, largement. Mais Mampouya a commencé, vous savez qu'il a acclamé. Et pendant que Bouchab lui-même le critiquait dans son livre, Mampouya avait soutenu que la parole du président Mobutu valait loi. Et Bouchab critique ça dans le livre. Quand il présente le livre, Mampouya dans la salle, il acclame sans savoir que c'est lui qu'on cite et qu'on critique. merci beaucoup, maître Oscar Moubiaye. Je rappelle que vous êtes avocat de Lille, au barreau de Lille, oui. Et qu'aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Il faut dire, de toute façon, vous êtes dans tous les deux avions à tout moment. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie beaucoup. On attend que le président parle pour qu'on revienne commenter entre la déception et l'espoir. On attend. Ben, écoutez, nous devons rester dans l'espoir parce que le président a tous les pouvoirs si, pour conduire ça, la reconfiguration politique, faire tomber le gouvernement, ça c'est facile. Et si le gouvernement ne peut pas tomber, il ne peut que dissoudre. En tout cas, je ne vois pas le FCC continuer la vie, la mort du FCC ce demain. Merci, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi cette émission qui a duré pratiquement 50 minutes. Merci et on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les laissés. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink.
C'est simple et gratuit. Allez sur www.djlink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur djlink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es aux hommes, si on vit noir.